Hello, hello! Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo partenariat Globeland. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il fait beau. Ça va mieux. Donc, bah, c'est reparti pour des petites vidéos pour partager avec vous les choses du moment. Voilà. Donc, je vous disais. Globeland m'a sollicité à nouveau pour un partenariat. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi du papier et quelques dagues et tampons. J'avais trouvé du joli papier en 30-30 à un prix plus que raisonnable. J'en avais choisi deux blocs. Malheureusement, il y en a un que je n'ai pas pu avoir. Je ne sais pas, il devait être. Il ne devait plus y en avoir en stock, ou peut-être que Globeland a jugé que c'était mieux de prendre des dagues. Je n'en sais rien. Bref, je vais vous montrer quand même celui que j'ai reçu. Alors, je vous rappelle que si vous voulez commander, je vous mettrai en barre d'infos tous les renseignements, les liens des articles, le lien de la boutique, les infos pour les frais de port. Et le code pour obtenir 5 $ de réduction sur votre commande si vous commandez pour au moins 40 $. Donc c'est Anita avec un A majuscule 5 tout attaché. Mais je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Donc. On va commencer par le papier. Alors déjà, vous voyez comment il est arrivé, super bien emballé. J'avais pas fait attention, je pensais qu'il n'y en avait qu'un d'album. Et finalement, il y en a deux. Et j'ai eu ça pour 13,93 $. Alors j'ai regardé le cours de l'euro hier, je n'ai pas regardé aujourd'hui. Mais hier c'était 1 $, 1 €. Donc vous voyez, ça vous ferait 13,93 € pour deux paquets de papier. Dedans, à chaque fois, alors c'est du 12 pouces, ça veut dire que c'est du 30,5 sur 30,5. Et il fait 160 grammes. Et à chaque fois, il y en a 2 fois 12, c'est-à-dire deux modèles sur 12 designs. Et ça, fois 2. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Quand on voit les prix du papier de collection que vous connaissez, où il y a 10 feuilles pour. Bon, c'est sûr, c'est pas le même. Il y a 10 feuilles pour presque le même prix. Ça vaut le coup de se pencher sur la boutique. Voilà, donc c'est du vintage rose. Là, vous avez le récapitulatif de tout ce qu'il y a dans le bloc. Alors, il n'est pas recto verso, ce qui fait qu'on n'est pas embêté pour. On n'a pas le choix de prendre ben, un côté plutôt que l'autre. Là, au moins, y a un côté, donc pas de souci. Et vous l'avez deux fois. Ce qui fait que comme il y en a deux, ça vous fait quatre fois. Voilà le premier. Pour faire un album, je trouve qu'il est super, super, super. Un peu chargé, certes. Mais bon, on peut l'agrémenter avec un papier plus léger de chez Action, par exemple, hein, qui soit dans les mêmes tons. L'endroit là. Franchement, je le trouve superbe. L'autre était joli aussi, je regrette. Hein, il était dans des tons plus pastel. C'était du rose et du vert. Plus shabby, on va dire.
Regardez celui-là, j'adore. Alors, je regarde souvent sur AliExpress les papiers, mais les trois quarts du temps, ce sont des papiers 15-15. Moi, je trouve que c'est bien pour faire des cartes, mais pour des albums, c'est trop petit. Celui-là, magnifique. Et voilà pour le papier. Donc, bon, moi je trouve que c'est un superbe rapport qualité-prix. Alors en plus, ils sont dans des pochettes. On peut garder. Et ensuite le tout dans une grosse poche plastique. Alors ça c'est génial hein, parce que vous l'utilisez, tout ce qui vous reste, vous le laissez ensemble dans le sac plastique. C'est magnifique. Voilà, je suis très contente de ce papier. Alors ensuite, donc en remplacement de l'autre, la personne qui s'occupe de mon partenariat m'a demandé de choisir autre chose. Donc à la place. J'ai pris des dice de bordure parce que bah, j'en ai jamais assez. Et donc ça c'était, alors il y en a deux dedans, comme ceci. Et ça c'était 6,38, 6,38 donc 6,38 €. Voilà. Alors il ne coupe pas en bas, ce qui fait que vous pouvez mettre la longueur que vous voulez, donc pour faire une pochette, pour une carte que vous repliez, c'est franchement génial. Alors j'ai fait des découpes qui sont là. Voici ce que ça donne pour le noir. Franchement, il est joli, hein. Il se découpe bien. Bon, il y a beaucoup de petits trucs, de petits morceaux à enlever, mais. Là, je ne l'ai pas fait, mais il faut mettre une lingette en dessous ou quelque chose pour que ça s'enlève plus facilement. Vous avez peut-être la petite brossette qui va bien, moi je ne l'ai pas. Donc voilà. Et l'autre, donc, en blanc, ici. Ils sont vraiment très jolis. Donc vous voyez, là, j'ai laissé le morceau entier. Vous faites la longueur que vous voulez. Donc, ben, je trouve que le prix est raisonnable hein, parce que 6,38 € pour deux dice comme ça, sachant que chez Action, c'est au moins 4 € maintenant un dice. Voilà quoi, chez Ali aussi. Donc, je suis aussi contente de ce choix. Ensuite, j'avais pris. Des dice pour Noël. Alors ça c'était 3,31 € et dedans il y en a 4 des dice. Alors vous avez une couronne, j'en cherchais depuis longtemps une couronne, donc le dice donne ceci. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez le. Je vais le mettre sur du papier. Ça verra mieux. Vous pouvez le découper en blanc et puis coloriser les feuilles après. Hein, mettre des petits points rouges pour les graines de houx. Là, je sais pas. Je pense que ça doit être, ça doit figurer des boules, j'imagine.
Je ne sais pas trop. Il faudrait que je regarde sur le site comment il était illustré. Alors, vous avez ça. Vous avez un superbe nœud. J'adore, j'ai flashé sur le nœud. Voilà ce qu'il donne. Il est magnifique. Vous avez un Merry Christmas, mais d'une taille raisonnable. J'en avais un, mais qui fait pratiquement la taille d'une carte, donc c'était trop gros. Et voilà ce qu'il donne. Et puis un coin. Qui donne ceci. C'est pareil, hein, on le colorise, on le fait en blanc, on le colorise. Ici, on peut redécouper et puis un flocon de neige en argenté et puis le recoller dessus. Enfin, il y a moyen de faire des tas de choses. Donc, je vous ferai un tuto pour, je vous ferai une carte avec avec ces dies. Et donc ça, je vous ai dit le prix, c'était 3,31. Ensuite, là, j'ai pas fait de découpe, mais j'ai pris un combo. Donc, ce sont des fleurs de cerisier. Il y en a beaucoup, beaucoup de sortes, beaucoup de bouquets. J'aime vraiment bien. Avec les dies qui vont bien pour les découper. Donc ça, je vais me régaler. Voilà. Et ça, c'était 3,50. Qui dit mieux? Franchement, le tampon et les dies, 3,50 €. Et alors ça, j'adore aussi. Des tampons vintage. Alors pareil, hein, à coloriser. Ou à laisser comme ça, à tamponner sur du papier craft, ou du blanc cassé, ou du papier un petit peu avec des dessins mais très légers. Enfin, il y a de quoi vraiment faire des trucs magnifiques. Et ça, c'était, alors il y a quand même 5 tampons, ça c'était 1,19 €. Qui dit mieux? Voilà, bah, écoutez, moi je suis très contente de ce que j'ai reçu. Franchement, je recommande, hein. Il n'y a pas photo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie d'aller voir le site. N'hésitez pas, ça vous engage à rien. Et puis, je vous dis, donc je vous répète, avec mon code promo ANITA5, vous avez 5 dollars de réduction, donc c'est-à-dire 5 € pour 40 dollars ou 40 euros de commande. Voilà. Bye bye. Bon week-end. À bientôt. Gros bisous.